可能就是比以前更稳健的一点，然后心态也更好了一点。因为在以前打游戏的时候，如果稍微有一点劣势，就可能会导致自己整场游戏的心态和失误非常的多，然后会导致可以很好的状态去面对。然后现在就算就是自己或者队友有一点小失误，到后面也是慢慢能应付的。Et on est de retour pour ce match, encore un match du groupe D d'ailleurs, voilà le deuxième après ce TSM contre Samsung. Très belle victoire des TSM et là on attaque alors l'équipe européenne, les Splice qui vont jouer contre les RNG qui ont battu les TSM hier, Croc. Ouais, tout à fait, grosse prestation de la part de Mata qui a pu réaliser à plusieurs reprises des gros teamfights pour les RNG, ce qui leur a permis d'appliquer leurs dégâts et de détruire le dispositif américain. Ils vont devoir faire face à cette équipe européenne, et je dirais qu'il y a des possibilités pour cette équipe européenne parce que elles ont un macro play qui est vraiment possible, ouais. Là, mais le problème c'est qu'en face ils ont des gros talents. On le rappelle, Looper, MLXG, l'incroyable jungler de cette saison du côté de la Chine. On a Shao sur cette mid lane, et la bot lane, une grosse bot lane, Uzi, ouais. Le meilleur AD carry chinois. Avec. Alors, je sais pas si c'est le meilleur. Enfin, de nationalité, tu veux dire. Ah oui, de nationalité, ouais, chinoise. De nationalité chinoise, ouais. Alors, on est parti. Royal Never Give Up contre Splice. Splice qui a affaire au genre d'équipe qui peut vraiment leur poser problème, je pense. Attention à justement l'agressivité des Chinois en early game, qui est, je pense, la plus grosse faiblesse de Splice. Après, en mid game, je pense que Splice a les armes potentiellement et en late pour battre les RNG. Mais ils sont sensibles au snowball d'early. Et oui, et c'est vrai que les RNG, leur capacité spéciale, dira-t-on, c'est évidemment l'agression et la création de plays tout au long de la partie pour ne pas arrêter en fait d'aller titiller l'équipe adverse, l'objectif étant de la faire sombrer sur un de ses côtés. Et on va tenter, je pense, à plusieurs reprises avec MLG qui devrait se déplacer énormément. Alors le problème après pour RNG, c'est qu'ils ne sont pas toujours justes dans leurs agressions, parfois ils vont trop loin, c'est le propre de toute façon des équipes agressives en général. Forcément l'agression te pousse à faire plus d'erreurs, et par moment ils peuvent se laisser emporter dans leur furie sanguinaire. Et Splice est une équipe qui sait assez bien punir ce genre de situation. Donc voilà, je dirais que RNG a la main en early, mais attention à ne pas se louper. Splice va être très attentif justement à punir les tentatives chinoises. Et on est parti donc, first pick Lee Sin pour Royal Never Give Up et pour MLXG. Ouais, c'est bien joué là de la part des RNG qui sécurisent la jungle. La Syndra ban, hein. Et oui, on a supprimé trois junglers de part et d'autre, la Elise, la Nidalee et la Rek'Sai. Et on va prendre donc sécuriser ce pick Lee Sin qui pour l'instant fait très très fort sur ces Worlds. Et MLG est monstrueux aussi mécaniquement dessus. Il nous a proposé quelques games assez scandaleuses déjà sur ce pick, donc je suis curieux de voir ce qu'il peut donner là dans ces Worlds, sachant qu'il l'avait déjà pris normalement contre TSM justement, mais il y avait eu le remake, donc on l'avait vu partir sur... Quel était l'autre pick qu'il avait pick du coup? Tu parles de MLG? Ouais. Il était parti donc sur Ekarim. Ah, c'était son Ekarim, exactement. Exactement, puisque Zenskuren lui avait piqué le Lee Sin. Exact. Donc là, on va le voir effectivement évoluer sur ce pick. Cassiopeia pour 5Qx au niveau du mid, un pick très fort qui peut contrer les dives, qui punit énormément justement les erreurs, et qui en plus a un très gros wave clear, et qui est très efficace contre Lee Sin avec ses miasmes justement pour bloquer les dashs. Donc ça a beaucoup de sens pour l'instant du côté de Wunder. Derrière, enfin du côté 5Qx par contre, pardon, derrière donc une Karma support pour MyKix, pour de la mobilité. Ouais, la mobilité, éviter également un engage trop fort de la part des RNG. Et c'est marrant, on va voir cette Nami qui a été lock pour Mata. On a souvent vu des Nami être prises justement pour cette phase d'early game. Ça convient très bien au playstyle chinois d'aller récupérer ce pick qui fait toute la phase de lane pour Uzi, qui va lui permettre justement d'être top creep, je pense, à 10 minutes, parce que c'est difficile, enfin, à moins qu'il y ait Est-ce qu'il va jouer Caitlyn par exemple? Ou Ezreal. Ou Ezreal. Ouais, les Ezreal Nami, c'est vrai qu'on en voit maintenant dans ces Worlds. Ezreal qui est très plébiscité par les ADC. Du côté de Wunder, on voudrait partir sur le Gnar. Est-ce qu'on pourrait... Ah voilà, effectivement, avec une Karma, on peut ajouter le Olaf pour amener un boost de mobilité pour le Viking.
Oh, elle est solide, hein, ouais. La draft des Splice. Mais forcément, ils vont pas laisser Sivir dans ces conditions, les Royal Never Give Up. Directement, on se dirige sur le pic. Et maintenant, il va falloir récupérer un top laner qui soit a priori assez tanky. Pour pouvoir faire office de frontline, c'est pas Nami qui va le faire, c'est ce Lee Sin en combinaison avec justement Looper. Qu'est-ce qu'il peut pick Looper? À moins qu'on joue tout pour l'agression, on sort le Rumble. Ou le Kennen. Oh, le Kennen contre le Gnar de Wunder. Attention, un Wunder sur Gnar, on le sait. Il a fait une fin de saison summer absolument monstrueuse sur ce pick. C'est notamment les H2K qui ont énormément peiné face à son Gnar. C'est un monstre, hein, vraiment, duel sur la lane. Et Looper, alors on va voir, c'est pas la plus grosse caractéristique de Looper pour moi, le fait d'être un gros dueliste. Ouais. C'est plutôt un joueur qui joue très bien sur la map de mon point de vue, mais il est sur un pick qui peut faire très mal à Gnar, donc pour moi il ne refuse pas le duel. Ezreal finalement pour Uzi, et là les Splice ont l'embarras du choix. Est-ce qu'ils vont partir sur la Sivir ouais. Pour du speed up bien sûr avec Solaf, c'est assez logique comme choix. Les RNG ont décidé de ne pas partir sur Sivir. Ouais, les RNG choisissent un teamfight en deux temps avec d'abord le Kennen pour bloquer l'arrivée des Splice et ensuite de pouvoir DPS long range avec ce Ezreal, avec ce Victor et son laser, Lee Sin pour aller assassiner une cible et se repositionner. Tout ça avec justement l'aide que peut apporter cette Nami. Attention tout de même, ça reste un perso qui est assez faible dans les teamfights, donc il va falloir faire attention à bien se positionner du côté de Mata, mais on connaît le capitaine Mata, n'hésitera pas à ping sur toute la map pour pouvoir amener ses joueurs à... Ouais. Leur meilleur niveau, comme on a pu le voir dans la partie numéro 1 face à TSM. Moi j'aime quand même beaucoup la draft des Splice, honnêtement. Je la trouve, en teamfight, c'est un rouleau compresseur. Encore une fois, pour eux, la seule chose à éviter dans cette game, mais pas des moindres, étant donné que ça fait partie du cœur du style de jeu des Royal Never Give Up, c'est ne pas trop tomber derrière, parce que face à l'over-agression des Chinois, derrière, pas sûr que les Splice puissent contrôler. Avec Mata, l'overmind coréen, aux commandes bien sûr, du côté des Royal Never Give Up. RNG qui est à la recherche de la première place de ce groupe D après leur victoire d'hier contre TSM. Et alors là j'attends. Voilà, la question c'est comment RNG va jouer en early. Est-ce qu'ils arrivent à trouver les opportunités, à faire la différence pour justement démolir les Splice, ou est-ce que Splice arrive en mid-game et d'ailleurs peuvent jouer leur draft qui je pense est monstrueuse à partir du moment où ils atteignent les 25 minutes de jeu. Et bon, après jusqu'aux 30 minutes, ça devient encore pire je pense. Mais voilà, RNG n'a pas le droit de laisser filer le temps gratuitement dans ce match. Il va falloir rapidement prendre des initiatives, Croc. Et c'est parti désormais, RNG Blue Side, Splice Red Side, on est lancé. Et on a le public qui scande RNG et Splice, a priori c'est... Plutôt RNG, ouais. Les Européens qui n'ont pas la cote du côté de San Francisco, pas grave. Splice, on compte sur vous pour redorer le blason européen dans ces Worlds. Blason largement entaché pour l'instant, puisque nous n'avons que des défaites pour le vieux continent actuellement. Une première pause technique pour l'instant dans ce match. Ça vient du côté de l'équipe Splice. Senkux là. On voit l'écran avec le référé qui sont en train de rapidement faire le check du problème qu'il pourrait y avoir. Pas d'Aurelion seul dans cette partie. Non. Puisqu'il a été ban pour la journée 2 et 3. Enfin, pas ban, disable plutôt, ouais. Pour ces deux prochaines journées. Celle en cours et celle de demain. On en saura plus évidemment un peu plus tard dans la semaine. Ouais, c'est un peu chiant quand même, mais bon. Histoire de skin. Et un Bjergsen qui provoque ce genre de situation, c'est assez incroyable que ça lui arrive tout le temps à lui. C'était le pic de Xiao d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc Xiao sur Victor, on a vu le Victor de Crown hier, là on voit celui de Xiao. Ça reste un pic très viable, toujours aussi efficace, toujours les mêmes forces tout simplement pour Victor. Effectivement, après Xiao, j'aime mieux ses plays sur des champions un peu plus compartimentés comme Leblanc, parce que Victor c'est bien parce que ça fait un peu tout, mais c'est vrai qu'avec son pool de champions assez agressif pour Xiao, avec sa capacité, alors Talia est maintenant un peu avec le nerf récent est un peu moins viable effectivement, mais le pic Aurelion Sol avait plutôt bien fonctionné pour Xiao. Le pic Victor reste tout à fait viable pour lui. À voir de la façon sur laquelle il va jouer, je pense qu'il va essayer d'agresser un maximum sur cette Cassio et on risque d'avoir un niveau 6 assez important avec l'arrivée du Olaf peut-être, et c'est là qu'il va falloir
bien protéger le mid laner RNG du côté des Maligues. Alors, Splice, est-ce qu'ils peuvent le faire justement battre ces RNG qui ont montré une très grosse capacité à résister aux agressions TSM hier? On a eu un Mata absolument dominant dans son match avec son Alistar. Il joue maintenant sur une Nami, personnage technique hein, qui peut permettre de dominer la lane. Elle a du heal à apporter, du harass gratuit. Avec le poke du Ezreal, la combinaison peut être dévastatrice. En face, côté Splice, on est quand même sur une duo lane qui a beaucoup de wave clear croc avec la Karma, la Sivir, mais ils peuvent un peu survivre leurs agressions. Ça va dépendre de Mikix, de mon point de vue, qui a un pick qui normalement peut contenir justement une duo lane agressive. On va voir ce que ça va donner, mais Mata aussi, on les connaît. Espérons que cette bot lane identique à celle qu'avait sorti l'Edward Gaming ne porte pas préjudice à cette équipe chinoise. C'est deux régions qui ont besoin de se rassurer finalement dans ce match. Un peu, ouais, attention, la belle agression de la part de Ouzier. Mata directement sur Mikix, il vise le support hein. Pour l'instant. Mata, full agression avec lui, il qui enchaîne sur les auto-attaques, ça trade énormément pour l'instant en faveur de la duo lane chinoise, plutôt je dirais, avec les cookies qui tournent à plein régime, le bon POC qui est là, qui est trouvé par Mikix. Ouais, et on se rappelle, on voit que Mata a pris un Ignite pour essayer de jouer les duels en bot lane. Oh, c'est un Q qui va chercher le trade là, très agressif sur Xiao. Ah, ça faut pas le faire par contre, parce que Xiao va ne pas hésiter à répondre justement avec son niveau 2 très puissant. Le laser plus le bouclier sur le Q-spell qui lui permet de mieux trade que cette Cassio. Cassio qui va devoir jouer un peu plus sur la durée. Et Mata qui continue à placer son flux et reflux qui va lui permettre justement de garder un bon niveau de points de vie. Les RNG qui... intéressant, ils tiennent bien l'écart, Mata et Uzi, là on peut le voir, ça leur permet déjà d'esquiver les potentiels dégâts de zone justement, qui sont assez massifs de la part de cette duo lane Splice. Bon, même s'ils n'y arrivent pas tout le temps, là on voit quand même du POC qui échoue sur Uzi, MLXG au niveau de la bot lane. Est-ce que ce call peut être payant? Pour l'instant je pense que le positionnement des Splice ne permet pas, quoique attention, si Mata met une bonne bulle ça pourrait faire très mal. Mikix prend d'énormes dégâts, on est forcé au heal pour Kobe. Et à la fatigue pour Mikix. Et on a claqué l'Ignite hein, du coup de Mata pour essayer de venir à bout de cette Karma. Le MLXG qui arrive dans un deuxième temps peut-être pour aller récupérer un First Blood sur cette bot lane Splice. Non, il se ravise et... il reste là aussi parce qu'il sait que sa duo lane joue très agressif. C'est quelque chose qui joue souvent des tours mais la réaction... à Mata et Uzi. Attention, Looper, Wunder qui ne trouve pas le double jump ici et Trashy qui va reculer. Trashy qu'on attend au tournant aussi. Les Olaf ont fait très mal pendant ces Worlds pour l'instant, Croc. Ouais, on le voit, cette fois Trashy a fait le choix assez safe de pas aller poser de vision du côté de la jungle. RNG, il aurait pu aller peut-être subtiliser ce blue buff qui a été laissé par MLXG, mais MLXG n'avait pas donné d'informations, il ne s'est pas montré sur cette bot lane, ce qui a permis justement de conserver ce buff qui va être fait un peu late et peut-être même laissé à Victor. J'ai hâte de voir quel va être le choix pour cette équipe RNG. Merci Matt. Il pourrait se faire flash, Mata. Après, il y a le heal du côté de Uzi. Donc, on sait très bien avec quelle limite on joue hein, pour les Royal Never Give Up. Trashy, la déchireuse qui tue sur Xiaou. Attention, ça pourrait être annonciateur de mauvaises choses pour les Européens. Trashy, le contre de MLXG ici. Senkux est bien resté loin en situation plutôt de protection. Le Q-spell de MLXG ici. Oh, le flash out est forcé sur Senkux. Super bien joué de la part du jungler chinois qui vient de mettre Senkux au tapis au moins pour un temps. Et ça va permettre à Xiaou de back très rapidement en laissant tous ses creeps s'écraser sur cette tourelle mid lane. Un bon move là de la part des Chinois. Kobe qui répond bien. Oh là, par contre, le POC de Uzi n'est pas négligé là-dessus. Ils sont en train de gagner au fur et à mesure. Oh là, ça rebondit. Mikix, le first blood de Uzi sur la Karma de Mikix. Kobe doit s'en aller ici, même MLXG pour intervenir peut-être avec un flash. Il a un smite également pour avoir un petit trick là. Le flash et le Q-spell sur le spell shield de Kobe. MLXG qui force Kobe à jouer aux limites ici, utiliser tous ses summoners. Et la duo lane RNG qui frappe ici. Trashy n'est pas intervenu. Et à force, Croc. Oui. Le travail était fait là, on voit hein, le harass colossal de Nami. Ouais, on vous a beaucoup parlé de l'agression, des agressivités chinoises. Et bien là, ça le prouve parfaitement. On voit qu'ils sont en place, Uzi et Mata, avec en plus ce reflux qui commence à partir de la base de Uzi. Uzi qui fait son avancée, ce qui permet de toucher et mettre des dégâts supplémentaires. Je pense qu'Uzi aurait pu jouer beaucoup plus risqué
avec son heal et son flash pour tenter quelque chose et derrière donner le kill à MLG potentiellement. Mais il a décidé de jouer safe. Mais honnêtement, on aurait pu le voir tenter quelque chose. Il était mid-life avec flash heal. Il manquait un Q-spell pour tuer Kobe, mais il avait son flash. Il y avait quelque chose qui se jouait, je pense, ouais, en termes d'agressivité. Je parlais de safe, effectivement, on a en plus Uzi qui part sur un abatteur pour pouvoir cumuler des golds supplémentaires. Ça va aller très vite là. Une fois qu'il aura ses 100 creeps récupérés, il va pouvoir normalement avoir un peu d'avance sur son vis-à-vis, surtout avec ce kill, ce first blood récupéré 400 gold dans la besace. Il retarde légèrement son power spike, mais derrière, l'investissement en gold pourrait être particulièrement rentable pour lui et pour aller chercher... Ça va dépendre en fait de sa lane, hein, parce qu'effectivement si ça se passe toujours aussi bien, pas dit que ce soit que ça retarde vraiment son power spike. Bon après, voilà, disons qu'avec tir et abatteur, il est quand même dans une situation où c'est pas une grosse menace normalement. Mais quand on voit le harass que propose Mata, et Mata qui joue Ignite... Et regarde, 20 creeps d'avance hein, pour Uzi sur cette bot lane. Ça va compter, les 20 creeps plus le kill, ça fait une énorme avance du côté des golds pour cette bot lane DRNG sur la top lane. Le match entre Looper et Wunder est équilibré au niveau des creeps. Attention par contre Uzi, pour toi, continue à mettre des dégâts, on est obligé de caquer l'exhaust. Mythic est obligé de flash out. Kobe qui met un maximum de dégâts, Uzi qui joue avec la limite. Ça se joue à rien, il a plus de flash. Kobe Mata qui se retourne ici, qui fait peser la menace d'une mort potentielle sur MyKix et Kobe. Attention, trashy peut-être, il est loin quand même. Et il n'a pas niveau 6. Ouais, ça m'étonnerait qu'on ait une agression de la part des RNG, MLG présent au niveau de la bot lane. On s'est bien senti de la part de MLG qui était présent au cas où. Un peu tardif sur son arrivée, mais finalement suffisante. Il ne croisera pas la route de Trashy par contre. On n'a pas l'information là sur le jungler. Attention, Chao, pour mettre des dégâts. Ouais, 5x pourra s'en tirer. Le regard de la Méduse était bien axé. Et plus de summoner pour le mid laner avec le flash qui a été utilisé un peu auparavant sur l'arrivée d'MLXG et Jehu qui lui conserve ses deux summoners. Oui, mettre de la pression RNG quand même dans cette early game, il n'y a rien à dire. Pour l'instant, ils sont dans leur style de jeu avec notamment ce duel entre Uzi et Uzi Mata et Kobe MyKix qui est largement maîtrisé par RNG, toujours ses 20-16 d'avance avec le first blood qui était récupéré. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations sur ce qui se passe entre Wunder et Looper, mais il n'y a pas grand chose à signaler en réalité pour l'instant. Et ses agressions, attention, on va continuer pour aller chercher les dégâts, on sait qu'il n'a plus de summoner, on pourrait essayer de l'enfermer. MyKix, on va mettre le MyKix, Uzi qui enchaîne, Uzi le kill pour Uzi. Encore une fois derrière, c'est Trashy en défense dans sa jungle, MX et je retourne pour mettre un maximum de beurre chez Aouéga sur son Victor dégage de 5 us. Looper, le Maelstrom, le CC pour Wunder, le flash Xiao, Wunder qui rend au bout de son action, Looper qui prend le kill, c'est 5 us qui finira également le coup pour les Splice. MLXG pourra se mettre en sécurité, mais la Splice qui répond enfin dans cette early game. Et oui, ça y est, ils ont pris 2 kills, les deux premiers, c'est un 2 pour 2 finalement ce trade à l'initiative au départ des RNG hein, qui s'enfoncent dans la jungle des Splice pour aller récupérer ce red buff, mais il n'avait pas pris en compte ce niveau 6 de Trashy qui ignore les CC et qui ne permet pas de lock justement. Ils ont du burst, joueur. Ils disent ok, là il faut le burst, vite, burst, mais là le problème pour Xiao c'est difficile de s'en tirer dans ces conditions, mais le travail de Looper est énorme, il trouve quand même une marque de la tempête sur Wunder, on n'est pas loin d'aller hold up là-dessus pour RNG. Ouais, c'est Senkux là qui va récupérer le kill et une assist, Wunder également, les solo laners. C'est primordial pour les Splice qu'ils soient bien et finalement là qui récupèrent chacun un kill, une assist, ça va leur permettre de souffler au moins un petit peu. Mais quand même c'est compliqué avec l'avance de Xiao sur 5 Q au mid. 82 CS contre 60, la domination des laners chinois se fait sentir pour l'instant. Et le laner le plus solide chez Splice, je pense que ça a toujours été Wunder quand même. Wunder c'est vraiment un joueur qui peut prétendre dominer en early game. Là on le voit sur son Gnar, il est tout de même hyper efficace, mais du côté de Senkux, heureusement il a fait Zekal où il a pu prendre un kill. Au niveau du farm c'est délicat pour l'instant. Splice sous pression de la part des RNG, 2000 gold de retard, mais pour l'instant alors on n'est pas dans une situation incontrôlable pour les Européens. Oui, on va faire un move sur le burst. L'Olaf de Trashy, mais il y avait cette ultimate disponible avec le fantôme. Il a dû tout utiliser. On ne veut rien laisser au hasard face à une équipe chinoise qui est trop friande de snowball, tout simplement. Et là, on le voit, c'est la passivité finalement de ces joueurs Splice, puisque au final, le move où ils récupèrent leurs deux kills, c'est à l'initiative des RNG. Ouais. Bah, ce sera toujours pareil en fait. Enfin,
Et surtout que Trashy, je pense qu'il a pas un pic qui peut lui permettre. C'est un joueur qui sait agresser intelligemment, Trashy, mais je pense pas qu'il soit sur un pic qui lui permettait vraiment de le faire plus que ça. Et en plus, il a vraiment choisi la voie du farm, donc on verra si ce sera un choix payant pour ses splices. Il est 30 justement, creep. Et si Trashy pourra carry plus tard sur cette top, sur cette bot lane, 30 creep d'avance pour Uzi. MLG qui le sait, il n'y a plus d'ulti, alors flash derrière le combo avec l'anami de Mata est excellent pour Royal Never Give Up. Et c'est un kill pour MLG qui a parfaitement initié l'action. Et la synergie avec Mata fait mal ici. Trashy qui tombe 0-2-1 pour le jungler des Splice. Ouais, c'est vrai que là, quand les RNG commencent à snowball, c'est très très compliqué. On a vu qu'il n'y a que les Edward Gaming qui se sont joués des RNG tout au long de la saison du côté des Chinois sur cette LPL. Les RNG ont fait figure de deuxième toute la saison, mais là ils montrent qu'ils ne sont pas en reste. Et un dragon des océans récupéré par MLIG. Ils sont dans leur game, les Chinois. Ils vont peut-être aller chercher la première place du groupe D à la fin de cette deuxième journée des phases de poule. Et MLX, je pense qu'il va vouloir attirer maintenant son œil sur cette top lane. Il sait que c'est la dernière win condition finalement pour pouvoir accélérer. C'est de prendre peut-être cette tourelle top et d'aller mettre Looper sur orbite. Ils vont le tenter au bot plutôt, avec Mata et Uzi qui sont hyper efficaces. Ils ont un Ignite en plus sur cette violaine. Ils savent qu'il y a du kill à prendre. Mike, il ne peut rien faire. Contrôler contre le mur, c'est le kill pour MLIG. On devrait enchaîner désormais Croc. Ouais, tout à fait, mais c'est plutôt bien vu de la part du joueur Space qui savait condamner et qui décide d'aller au devant de son destin plutôt que d'emporter dans sa tombe Kobe. Mais les rotations RNG sont vraiment hyper agressives, on le voit. Pour aller jusqu'à ce dive sur les Splice, ils ne sont passés par aucun point de vision européen. C'est un gros problème. Splice qui abandonne totalement la vision sur la map à cette équipe chinoise. Du coup, les Roms ne peuvent pas être prévenus et ils sont complètement sous pression. Ils subissent tous les déplacements. Royal Never Give Up, dans ces conditions, ça va être difficile honnêtement pour les Européens. Tout à fait, surtout que Trashy a fait le choix d'avancer sur son item de jungler et ne pas finir son item de Sidestone. Attention, Looper pour aller chercher Trashy, mais Trashy a encore son ulti, ça va être compliqué, on essaie de mettre un maximum de dégâts. Le fantôme qui est claqué avec l'arrivée de MLIG. S'il y avait le Q-spell du Lee Sin, c'était le kill. Hein. MLIG, il n'a pas été loin ici d'aller chercher son vis-à-vis. Et on le disait, ouais, cette Sidestone qui manque cruellement dans le dispositif de vision des Splice. Et les RNG en profitent. Ouais, ça, bah, la Sidestone, effectivement, c'est quand même un item qui est là. Bah, il vient de sortir là sur Trashy. Mais le souci, c'est que RNG a déjà entamé son snowball désormais. Avec 4000 gold d'avance, ouais, sur ses splices. Donc 2500 gold pour Uzi. Hein. Et un mid-game qui devrait faire mal quand même. Je crois que Uzi, il a une vingtaine de CS de finir son abatteur. Et dans une vingtaine de CS, il devrait avoir fini sa trinité quasiment. Attention, le regard de la Médu tout de suite, Chouk par Shao. Fantastique là, ce qui propose le mid laner d'RNG qui va se retourner. Ils prennent quelques outplays quand même, les Splice là. RNG qui élève son niveau de skill vraiment. Et on les avait déjà vus hier, c'était un signe hein, qu'ils ont envoyé face à ces TSM. RNG finalement qu'on présentait comme une équipe en difficulté, en méforme même sur la fin de leur summer split. Qui pourrait prendre en cas de victoire avec une faible macro game, hein, voilà, c'est un avis qui est relativement partagé de façon générale. Ils arrivent quand même très préparés dans ces Worlds et ce groupe D pour l'instant est dominé. Attention, Wunder contre Looper, ça risque d'être difficile d'aller chercher le kill. La protobelle de Looper pour disengage. Wunder pourra peut-être trouver une auto-attaque ici. Oh, il décide d'aller au bout, non. Il y avait la troisième, mais toujours difficile de dive. Un Kennen. Tu peux te faire stun et à partir de là... C'est le maillet gelé aussi hein, qui fait son œuvre là-dessus. Forcément, une fois qu'on l'a récupéré, qu'on a un peu de résist magie, c'est plus facile pour tenir le 1v1. J'ai déjà vu cette scène, ce counter jungle. On avait le même du côté Royal Never Give Up Wunder. C'est loupé pour Mata finalement. C'est vrai, tu le disais, RNG parfois un peu faible sur la partie macro, mais c'est en fait leur propre... finalement ils se font parfois avoir à leur propre jeu, à jouer l'agression en continu. Parfois ça ne passe pas, surtout contre Edward Gaming qui avait bien lu dans le jeu des RNG, mais là pour l'instant
C'est carton plein pour CNG qui pourrait prendre en cas de victoire la tête de ce groupe. Ouais. Trashy en couverture au niveau de cette top lane, on voit les rotations hein, des RNG. La T1 bot a été récupérée. Uzi et Mata qui décide de se positionner au niveau du top. Alors que le Victor de Xiao continue à monter la garde sur cette mid lane. Donc une configuration tout à fait standard finalement, avec un looper qui part au speed push avec son TP disponible. Et on l'empêche de back, Winder, parce qu'il y a le Solicine. Il y a celui-ci qui pourrait faire son apparition. Justement, on veut pas l'empêcher. Mais carrément, Karman, Mike, il est en train d'arriver. Oh, Uzi qui prend énormément de risques sur cette action. La couverture de Mata est en place. Le TP également, le dab et Malik G. Trashy qui tombe. Premièrement, attention à ce méga gnar de Wonder. C'est Looper qui pourrait peut-être apporter la première pierre ici. Oh, les dégâts seront lourds. Mais le fin était pour Royal Never Give Up malgré la tentative de Wonder de faire mal à l'équipe chinoise. Ça y est, la T1 au top qui tombe. Le snowball est lancé. Et pour Splash, je pense que c'est la pire des situation parce que RNG est totalement voilà, il est dans son de temps de jeu au niveau de leur pick. Ils remplissent parfaitement leurs conditions de victoire pour l'instant. Thank you. Oh là là, une nouvelle pif fois cette ulti. Et sans la vision pourtant de la part de Xiaowu qui se retourne au bon moment. Le step move là qui lui permet d'avoir cette ulti d'avance. D'ailleurs, il n'hésitera peut-être pas à avancer. Il garde son avance d'ailleurs hein, sur cette mid lane, 160 creep à 143. On va le revoir, ce dive sur la top lane. Ouais, c'est pas mal, la temporisation de la part de Uzi. Et Uzi derrière qui prend tellement de risques. Ouais. Il avait pourtant pas l'information. Si, il a une information sur Trashy grâce à Mata. Et là, il va dash in. Allez, confiant hein, les RNG en même temps. Ils sont sur une game où ils dominent pour l'instant. Oh, Looper. Ouais, c'est pour Trashy, je pense. Hein. Trashy qui devrait avoir du mal à s'en tirer sous les dégâts de MLG. Derrière les RNG qui enchaînent parfaitement. Faut aller le kick pour finir. La rage du dragon. Et on enchaîne du côté des RNG. Est-ce qu'on peut les gratter les T2? Les T1, c'est fait. Maintenant, c'est les T2 qui pourraient tomber du côté de l'équipe européenne. Il va falloir temporiser. Mais comment temporiser une équipe qui snowball tellement? Les RNG n'hésiteront pas. Uzi, attention à cette utilisation. Uzi au barrage Térébrant. MLXG peut-être là-dessus, il n'arrivera pas à trouver d'ouverture pour un kick flash. Et pourtant, je l'ai senti vraiment pas loin d'aller le tenter. Le sniping. Uzi qui est en forme avec ce pick Ezreal. 5-Cux en danger qui prend énormément de slow. Attention à fatigue, le regard de la méduse ici. 5-Cux sur l'étreinte du serpent qui va tomber finalement. Uzi. Oh là là. Le kill, il enchaîne parfaitement. Attends, Wonder qui prend un kill sur Mata, mais le peur est monstrueux. Les RNG commencent à emmagasiner une avance qui semble être irremontable pour les Européens. Et ils n'arrêtent pas, parce que c'est bien la caractéristique des Royal Never Give Up, Croc. C'est ne jamais s'arrêter avant d'avoir détruit le Nexus. C'est une équipe qui ne connaît pas vraiment de temps mort. Effectivement, déjà à égalité, ils le font, mais alors là, quand ils sont devant, ils ne vont pas s'arrêter là. MLG qui fait son counter jungle, évidemment, il ne va pas y avoir de temps de répit pour ces splices. Ça risque d'être un véritable massacre sur cette fin de partie. On le voit mécaniquement, ils sont au point, les RNG là. Uzi qui fait un petit move pour pouvoir ne pas prendre le stun de Sengkuk qui va tomber le premier. Okay. Wonder qui va avancer. Tellement chaud sur les agressions, ah, c'est sur impressionnant, impressionnant. Ce qu'il nous propose. Il s'est tellement fait calmer par les dégâts de Xiaowu. Et oui, il y a du burst hein, côté Royal Never Give Up. Et même Uzi, hein, 6-0-2 pour l'instant. Il a tellement de dégâts. Le carry AD des Royal Never Give Up. Et le Uzi Triforce fait parler de lui. C'est sûr que ça fait plus de dégâts que le Gantelet Givrant en blue build. RNG, est-ce que ce sera à jamais la seule équipe chinoise à pouvoir perf au Worlds? Enfin, Royal de façon générale. Tout à fait, les Royals sous leurs différentes formes. On vous rappelle bien sûr qu'il y a deux victimes, il y a deux finales de Worlds, hein, l'actif de la structure Royale. Il y a le Red Buff, on voudrait peut-être y aller. Wonder qui se fait lock. Uzi qui pourrait prendre un nouveau kill. Non, c'est Mata qui va récupérer son premier grâce à l'Ignite. Les Splice sont en train de se faire marcher dessus. Oui, de façon martiale par les Royal Never Give Up. Va avoir du mal, il va falloir remobiliser ses troupes après ça. Je veux vraiment tenter un. Alors on va voir s'il y a pouvoir burst. Le Zonia qui n'est pas encore complété pour Looper. On a le Morello dans les poches de Sengkux. Et Looper va continuer à avancer. Ah, il hésite hein. Il hésite. Il ne va pas y aller finalement. Sengkux, il ne jamais traîner près des buissons
si ça ne sert à rien. De toute façon, une T2 au bot pour RNG. Et les Sud-Est, la technique de les Sud-Est qui devrait amener les RNG maintenant sur cette mid lane. Looper qui a déjà lancé le slow push sur cette top lane, c'est parfait. Finalement, est-ce que ces RNG n'auraient pas mieux appréhender la macro, la macro game qu'on a vu un peu délaissée certaines fois dans les matchs à hauts enjeux en Chine. Enfin, sur cette game, honnêtement, ils ont bien mené leur jeu d'agression. Allez, encore un kill pour Xiaou ici. Et effectivement, leurs rotations sont plutôt bonnes. Et surtout, Splice n'arrive pas à les stopper. À partir du moment où tu n'arrives pas à mettre un peu un croc en jambe dans le sprint des RNG. Voilà, derrière tu peux jamais trop reprendre le contrôle. Ouais, c'est un gros coup de pied. Et ils savent développer leur jeu en genre de conditions RNG. C'est quand ça commence à devenir un peu plus tendu et qu'il y a une vraie résistance qu'ils peinent en macro game. Mais là, s'il n'y a pas d'opposition, ils savent comment finir une game. Hein. Et effectivement, la sixième tour qui tombe aux mains des RNG. On tente un move peut-être. Non, on va s'arrêter. Le trash qui voulait avancer sur Mata. Finalement, déchireuse qui ne va faire que ralentir. La Quamancienne, est-ce que ça va passer? Non, on avance. On essaye de récupérer un peu de vision finalement dans cette jungle et de ressources. Trashy avec ses 89 creeps finalement est devant en termes de creeps. Mais les 5 kills vont tout effacer du côté de MLXG. Les Lee Sin sont très très performants. Chips, ils sont au rendez-vous. Et honnêtement, les Lee Sin, ça me fait plaisir parce que j'adore ce pick et je trouvais ça vraiment dommage que. Ouais, il s'est enfui là-dessus. C'est un petit clin d'œil à Soaz peut-être. Non, alors pour moi on peut pas dire que c'est une Soaz. Les Soaz sont bien plus compliqués. On va avoir ce burp. Tempête du chaos, effectivement. C'est toute une histoire. Déchaîne le chaos du côté de Xiaou. De délai. Ou déchaîne les enfers, aurait dit Maximus Decimus Meridius. Et 14 kills à 3 donc pour Royal Never Give Up. Et 12 kills à Golden. J'aime bien la BT pour Uzi. Allez, on sort les dégâts. Ils sont les Splice n'y arrivent pas hein, tout simplement. Je pense que ils sont tombés et le problème pour eux en fait c'est que face à TSM ça risque à peu près d'être la même chose. Splice ils ont vraiment beaucoup de lacunes en early et il faut qu'ils arrivent à comprendre les déplacements de l'adversaire, à anticiper et trashy. Il faut qu'ils soient sur un pic qui peut être peut-être un peu plus actif en early, peut-être plus mobile. Parce que le souci c'est que s'ils laissent les agressions venir, ça va être, ils vont tout le temps prendre ça les Splice en fait. À part peut-être contre Samsung qui joue pas de la façon des RNG ou des TSM. Voilà. C'est vrai que les Splice ont une compo qui semblait assez léchée parce qu'il y avait beaucoup de possibilités de teamfight. Le problème, c'est que les RNG ils avaient des lanes fortes. Ouais. Et ils avaient une capacité à pouvoir accélérer leur temps de jeu. Et bah, ils ont réussi leur pari finalement. C'était dans leurs conditions de victoire et les RNG ont réussi à avancer très tôt. Beaucoup d'outplay. Ce qui fait que les Splice ne peuvent pas mettre en place leur plan de jeu. Beaucoup d'outplay de la part de ces RNG. Et attention, allez, le kick s'est loupé par contre pour MLXG là. Oh, et l'ulti, le regard d'un Medus qui n'est pas passé. Ou c'est qui sait que c'est le bon moment. Xiaou, les tirs croisés de la part des Royal Never Give Up poussent les Splice à reculer jusqu'à leur fontaine. C'est un inhibiteur désormais au bot trouvé par les Royal Never Give Up qui enchaînent parfaitement. Et qui n'ont pas fini d'ailleurs. Tout à fait, le signal d'alarme avec ce regard de la Mésivoche qui n'est pas connecté sur les joueurs chinois, ce qui propulse RNG sur la prise de l'inhibiteur. Et MLXG pour essayer de peut-être faire un nouveau kick une fois qu'il aura son cooldown. Il a la moitié de sa rage du dragon. Et on avance petit à petit dans cette partie, 24 minutes de jeu. Ils semblent irrésistibles. Et ils le sont. Ils le sont, ils vont tenter quelque chose. Là, les Splice, trashy en backlane, il va tout de suite se faire pile par les Royal Never Give Up. Tandis qu'MLXG, Looper, gère parfaitement en front lane. C'est Uzi maintenant qui rentre dans la danse. Double kill pour Uzi, un triple kill. Peut-être un 3 kill. Oh, il esquive les contrôles envoyés par Wonder et envoie un énorme signal dans ces Worlds. Positionné sous le signe des AD Carry, quadra kill pour Uzi, victoire. Royal Never Give Up en 25 minutes. De jeu impériaux, les Chinois face à des Européens désarmés face à tant d'agressivité. Effectivement, les RNG acclamés par le public américain qui font souffrir les Splice et remportent leur deuxième victoire. Les voici premiers virtuels, enfin même à la fin de cette deuxième journée de ce groupe. Bah, ils le sont tout simplement. Deux victoires pour zéro défaite pour Royal Never Give Up. Qui nous confirment leur bonne disposition dans les phases de poule. On se souvient au MSI aussi, ils avaient été excellents
en phase de poule. Alors avant de s'effondrer lorsqu'on était passé en BO, Mata, l'overmind coréen, avec Sanami qui a complètement dominé avec son AD carry. Uzi, l'histoire c'est de bonhomme mais assez drôle aussi hein, puisque ils se sont rencontrés en finale des Worlds 2014 et bien sûr on était dans la période d'archi-domination des Samsung White qui n'ont pas pu installer une dynastie sur le long terme et pourtant ils avaient détrôné les SKT à ce niveau. Mata est de retour au championnat du monde avec Uzi qu'il avait battu avec Samsung White et il compte écrire une nouvelle page de son histoire. Mata avec Uzi justement dans son équipe, alors on va voir s'ils sont capables de le faire. Et pour l'instant c'est vrai que RNG est très bien lancé dans ce groupe D, une excellente première semaine pour eux. Ouais, tout à fait. Il y a le match dans le match qui se crée finalement, c'est à qui sera sacré meilleur Lee Sin. On le voit, Revolta qui nous fait une première game sur un Lee Sin. Alors, on a Svenskeren qui rattrape. La game la plus impressionnante, je pense, est de Revolta. Le meilleur est Svenskeren. MLG est pas mauvais, mais c'est pas Svenskeren. Tout à fait, on est d'accord. Mais effectivement, c'est pick Lee Sin qui fonctionne. Et on le voit, le pick Nami également. Trop bien. Je suis heureux de revoir des Lee Sin. Enfin, c'est peut-être le champion qui m'avait le plus manqué dans LoL. Comment on peut se passer de Lee Sin dans la jungle? Et toutes ses capacités finalement, et à chaque fois de prendre la bonne décision, là on l'a vu. Alors Lee Sin a été présent, mais finalement, il a apporté à cette mid lane, à cette bot lane, ce qu'ils avaient déjà, c'est-à-dire une suprématie sur leur lane. Ouais, et derrière, excellent match. Du coup, on va laisser la parole à Bully et à son plateau analyse. Donc c'est à toi, et derrière on enchaînera avec... Avec le prochain match, ce sera les INTZ qui reviennent sur c'est le devant Ince. De la scène. Ah, c'est INTZ contre H2K. Deux Européens à la suite. Bon, allez, Bully, c'est à toi. Merci beaucoup, Chips. Encore une game hyper convaincante de la part des RNG. Écoutez, encore de la part d'un nouveau Lee Sin, je sais pas vraiment quoi dire sur cette partie. C'était encore un stomp. On en a eu beaucoup ce soir. Je trouve qu'il y avait un gros potentiel quand même de teamfight du côté des Splice avec ce Gnar, beaucoup de mobilité et d'engage, que ce soit avec Olaf ou Karma ou Sivir. Pourtant, Splice, dès le début de la partie, n'ont pas du tout été convaincants et le jeu des RNG a commencé à dérouler. Ils n'ont rien pu faire. Alors, je pense que déjà la défaite commence à la duo lane avec Uzi et Mata qui ont complètement outplay Kobe et Mikix. Donc à partir de là, déjà on s'est bien feed. Après, si on regarde ligne par ligne, tous les match-up des Splice ont perdu. Je suis dans la jungle, ça a perdu aussi. Le problème d'un Olaf, c'est quand t'es à... Le problème d'un Olaf, c'est quand t'es à 0-3, 0-3-1 ou 0-3-0, 0-4, t'es pas assez tanky, t'as pas assez de dégâts, donc tu fais peur à personne parce que t'as pas vraiment beaucoup de contrôle, tu peux rien encaisser, tu peux pas deny, donc il y avait vraiment des problèmes. Senkux, il a raté pas mal l'ulti, mais en fait tu sens que Senkux, il voyait que ça crevait dans tous les sens et il a essayé de courir après les kills. On a vu des ultis lâcher un peu à la va-vite, donc c'est pas mauvais Splice, mais tout de même, moi j'ai senti qu'ils étaient dans un niveau inférieur. Ouais, non, mais j'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, les Splice qui ont dès le début, en fait, à partir du moment où ils ont perdu la bot lane, le 2v2, le problème, c'est que vers 15 minutes, les Royals, ensuite, ils ont basculé cette duo lane sur la top lane. Ils ont refait la même chose en faisant des dives sur la top lane. À partir du moment où les Splice ont perdu le contrôle de la map, Mata a fait un énorme travail de roaming et de vision. Il n'y a pas vraiment grand-chose à faire dans ces conditions. Et la vision des Royals, ça fait deux fois, en fait. Hein. C'est peut-être ça qui leur manquait à la fin du split. C'est cette énorme vision qu'apporte Mata et qui est aidée par MLXG maintenant. Ça change tout, hein, les Royals. Maintenant, ils sont complètement libres de leurs agressions. Je pense que vraiment, un des gros points forts de cette line-up RNG, c'est vraiment la synergie qu'il y a entre MLXG et Mata. On a vu ce qu'il a pu faire avec Sanami, tous les deux, quand ils travaillaient ensemble. Ça a été une bonne idée, justement, je pense, d'essayer de mettre de la pression sur cette bot lane pour justement faire en sorte que l'équipe puisse se diriger sur les lanes adjacentes ensuite. Et finalement, Splice n'ont rien pu faire de toute la game. Je ne sais même pas s'ils ont essayé de revenir. Ils ont essayé un petit peu, enfin ils ont essayé, je pense qu'ils vont pas lâcher tout ça comme ça. Bon, alors Mata, on sentait quand même vraiment le tilt du côté sur, de Splice. Sur la fin, mais bon voilà, je pense que c'est un peu comme, c'était contre la troisième game ou la deuxième game de la journée, contre SKT, oui. À la fin Cloud9, bon, qui jette la partie parce que c'est fini. Bon. Mais Mata, donc on avait regardé sa fiche de joueur, on avait fait un focus sur Mata dans le pré-show, donc 94% de présence sur les kills, 1,38 ward posée en moyenne. C'est énorme. Enfin, c'est monstrueux, là on l'a vu, hein, tu l'as fait remarquer, c'est-à-dire que ouais, le map control royal, il est impressionnant, il n'y avait aucune vision. C'est peut-être, alors oui, il y a beaucoup de pression,
Après, vraiment, je pense que les Splice, au niveau de la bataille du warding, ils ont très très vite abandonné, et ça n'a fait qu'empirer avec MLG, qui est un très bon listen. Alors peut-être pas au niveau ce qu'ont dit Chips et Krog de Revolta ou de Zvenskeren, qui ont été fabuleux, mais au moins il allait chercher l'agression en permanence, et on connaît Royal Never Give Up, voilà, quand il commence à avoir une emprise sur une partie, ben c'est dans la position de premier où il joue le mieux. Et je t'entendais dire justement tout à l'heure qu'il y avait un énorme problème de map control du côté des Splice, mais qu'est-ce que Splice aurait pu faire ou aurait dû faire justement contre ce rouleau compresseur ? À partir du moment où la botlane se fait complètement enfoncer, parce que là on parle vraiment d'un stomp hein, sur le 2v2, ils ont quand même deux joueurs qui sont perpétuellement décalés de Uzimata, justement, qui du coup arrivaient tout le temps sur tous les escarmouches en premier avec plus de farm, plus d'expérience. C'était vraiment trop difficile. Je pense que là il y a vraiment des erreurs mécaniques sur la botlane. À partir de là, ils auraient pu éventuellement endiguer l'invasion, mais le problème d'un Lee Sin, autant Lee Sin c'est pas toujours aussi bien qu'une Elise en very early, mais à partir du moment où il réussit à rentabiliser sur ses premiers kicks, derrière il peut en permanence arriver dive, et il n'y a plus vraiment de moyens de contrer un joueur qui est vraiment on fire sur Lee Sin. Et les deux combinés, la botlane et Lee Sin, je pense que là les Splice ils sont simplement fait dépasser en termes de talent, je pense, par l'équipe RNG. Alors j'ai une question, moi, dont j'ai pas vraiment la réponse, parce que vu que l'agressivité que dégage Uzi Mata, mais je me dis, on joue Karma Sivir, quand on voit que ça se passe vraiment extrêmement mal, est-ce qu'à la fin finalement on peut pas juste jouer sous la tour, et avec, on a un wave clear, on a peut-être un des meilleurs wave clear de ligne du jeu, peut-être juste jouer le wave clear, peut-être qu'il, alors c'est une question parce que j'ai pas vraiment la réponse, est-ce que Kobe et Mikix finalement ont pas trop essayé de trade et trop essayé de prendre l'agression contre Uzi Mata? Moi c'est vraiment la question que je me pose sur cette duo lane. Hein. On les a vus justement essayer de prendre l'agression dès les débuts de la partie, ça tradait bien. Après c'est vrai que MLXG a été présent sur la bot lane, on l'a vu, il se déplaçait derrière la tour, donc même rester acculé à la tour, il y avait les déplacements côté RNG pour justement prendre des kills dans tous les cas. Ouais, et puis dans ce match-up, on est face à un Ezreal Nami qui peut quand même beaucoup poke, et du coup, il les zonait très très bien. Ils avaient tendance à freeze la lane, les Royals, ce qui forçait les Spice soit à abandonner la lane et lâcher trop de farm à Uzi qui sera arrivé sur son Power Spike double item. Il était parti Trinité en plus, donc vraiment énormément de dégâts sur le mid game. On l'a pas du tout bousculé. Ils ont essayé de tenter les trades pour aller chercher eux-mêmes un peu de farm, mais ils se faisaient sanctionner systématiquement par Uzi et Mata qui joue super bien ensemble. En plus, Ezreal Nami en termes de trade, ça peut, si c'est bien maîtrisé, c'est dur à jouer, mais si c'est bien maîtrisé, ça c'est vraiment très très efficace. Allez, moi je dis le point positif tout de même pour Splice, c'est Wunder sur la top lane. On sait que c'est un bon laner, ouais. Il a tenu, c'est le seul à avoir vraiment tenu au farming, ouais, son match-up, dans un match-up qui est défavorable hein, sur la phase de ligne, même si à terme Gnar avec Maillet Gelé ou Exrinker ou des bottes de Mercure, ça prend un Kennen. Cela vraiment, la phase early, ouais, game, c'est pas forcément évident. Wunder a fait le boulot, mais. Enfin, Splice, on le savait, ils sont dans un groupe de la mort. Ça s'annonçait compliqué dès le départ, de toute façon. C'est quand tu vois le niveau qu'affiche TSL, le niveau qu'affiche RNG, et peut-être ceux qui ont le moins convaincu, c'est Samsung, ça fait peur pour Splice. De toute façon, je pense que c'était un petit peu annoncé dès le départ, étant donné ce groupe, que Splice ne passerait pas les poules, mais... quand même, dans un match-up contre TSM, j'aimerais bien voir comment ils sont capables de s'en sortir. Je pense que ça va être très très, oui, dur. Oui, je pense que ça va être, je pense très que ça dur va être super chaud. On peut espérer. Du coup, en attendant, on va lancer une courte page de pause. Juste après, on se retrouve avec INTZ contre H2K. A tout de suite sur Eurogaming.